Cette année, nous accueillons donc dans notre diocèse 38 prêtres qui viennent donc en ministère d'été pour aider les paroisses de notre diocèse, c'est-à-dire compléter les équipes présentes sur le terrain ou alors carrément remplacer les prêtres qui partent en vacances. 38 prêtres, c'est le maximum qu'on a eu jusqu'à présent. Pendant l'été, nous avons deux journées particulières pour les prêtres qui viennent en ministère d'été. Une première rencontre a lieu au mois de juillet. Cette année, c'est l'Art Sacré qui est venu nous présenter effectivement ce qu'était notre patrimoine. Alors, l'après-midi, nous en profitons pour venir visiter différents sites. Et cette année, nous avons choisi donc Saint-Pédis et les caractéristiques des peintures à l'intérieur de Saint-Pédis. La deuxième rencontre aura lieu mi-août et cette année nous allons à Saint-Philibert. Alors les prêtres qui viennent donc pendant l'été sont essentiellement des prêtres qui sont étudiants et qui demeurent sur le territoire européen. Je suis Père Gaston Zounon, je suis du diocèse de Cotonou au Bénin. Et je suis en France dans le cadre de mes études. Je suis prêtre étudiant à l'Institut catholique de Paris. Et j'ai commencé un doctorat en théologie patristique et je suis en paroisse à l'Isle-Adam, dans le diocèse de Pontoise. Je suis le père Francis Agboku de l'archidiocèse de Lomé au Togo. Je suis à ma première expérience de remplacement d'été dans le diocèse de Vannes. Et pendant l'été, ces prêtres se mettent à la disposition donc des différents diocèses qui ont besoin justement de prêtres pour remplacer ou pour compléter les équipes. Généralement, ils sont très bien accueillis par les paroissiens. Eux, ça leur permet aussi de voir comment vivent les Français, comment ils reçoivent, comment toute la fraternité qui existe autour des paroisses. Et je suis très bien accueilli, surtout que c'est ma première fois de venir en Bretagne. Je me sens bien et j'espère y revenir. Merci. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont toujours très heureux de se retrouver. Il y a une bonne convivialité entre eux, il y a une bonne fraternité. Il y en a qui reviennent déjà depuis plusieurs années. Et donc voilà, qu'on est heureux de revoir à chaque fois. On est heureux d'accueillir. Ça fait depuis, je crois, 2010 que je viens pour le ministère d'été dans le diocèse de Vannes. Et voilà, je suis toujours très bien accueilli et heureux de revenir.